Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, assoyez nous rentrer la caillou avec une nouvelle émission. Ça a gagné très longtemps depuis que moi avec prophète Schneider, nous avons présenté des lives qui ont édifié, qui ont béni et qui ont aiguisé. Alors, nous avons gagné une nouvelle série pour nous-mêmes. Alors, ça, c'est saison 1. Hein? Dans saison 1, hein, nous avons gagné plusieurs séries. Chaque moment, à chaque temps, on finit par découvrir la série. Alors, la série, ça, est focalisée sur l'armée de Dieu. C'est autour de l'armée de Dieu que nous allons parler. Il y a un sujet qui est assez intéressant, qui c'est l'Église, une armée de Dieu. L'Église, une armée de Dieu. Pour qui ça nous dit l'Église, une armée de Dieu? C'est parce que ce n'est pas seulement l'Église qui existait comme l'armée de Dieu. Déjà, il y aurait l'Éternel, l'Éternel des armées. Eh bien, parmi toute l'armée que bon Dieu gagnait, l'Église c'est une. Et c'est sur ça que nous allons focaliser pendant saison 1. Hein, nous allons chita sur l'Église, une armée de Dieu. Prophète, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, serviteur de Dieu. Bon Dieu béni, apôtre moi. Et nous comptons pour nous là avec chaque servante et yes, chaque serviteur de Dieu qui a suivi un moment de gloire, ça, un moment d'enseignement. Ça. Par contre, qui boye sur la caillou, ou capable de partager avec yes, un ami, partager avec un frère, yes, partager avec un bien-aimé. Et message ça que nous parlons là, il parle important pour toute l'Église en général, le temps de lui. Ou capable pasteur, ou capable de message ça, yes, ou capable apôtre, ou capable de message ça. Et quelle que soit entité, ou quelle que soit place, ou occupé dans l'Église là, ou capable de message ça. La pour message qui édifiant, la yes, pour message qui fort, pour capable yes, capter attention monde sur un jeu que l'Église d'aller gagner en tant que armée de yes, Dieu. Et pour nous capable commencer, nous allons mettre en phase sous premier point que nous allons voir ensemble avec vous-même. L'Église, yes, une armée de Dieu. Une armée de Dieu, c'est une armée qui parle seulement pour focaliser sur Palampil pour tirer Toya. Mais une armée de Dieu yes, qui focalise sur les bases bibliques. Yes, biblique pour faire avancer le royaume. Amen. Et lorsque lorsque n'a parlé de armée de Dieu, yes, on pas qu'à parler de armée de Dieu sans que on pas parler de fondation l'église là. Amen. Fondation l'église là, on prend dans Éphésiens. Il dit dans Éphésiens 2, verset 20, uh-huh, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, dans Éphésiens 2, verset 21, il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Yes. Il dit dans 22, il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Par yes, définition, si on a utilisé, si on est capable de définir le mot fondation, mm-hmm, n'importe que le mot fondation veut dire qui ça? En grec, le mot fondation, c'est parti qui pi important dans yon kay. Okay. Fondation, c'est parti qui pi important dans kay. Yon kay yes, qui pa gen fondation, il pas capable de résister avec les tourments, il pas capable de résister avec les tempêtes. Ça va le dire encore dans Matthieu, il dit comme ça, yon moun qui bâtit kay li sur le roc avec mm-hmm, yon moun qui bâtit kay li sur le sable, c'est mm-hmm, deux bagages différents. Yes. Lorsqu'on bâtit kay ou sur le roc, mm-hmm, kay la capable solide de son bagage qui durable parce come que on, le roc c'est la dureté. Yes. Le roc c'est la fermeté. Yes. Le roc c'est on capable dire c'est un bagage même si tremblement de terre t'a passé roc là pas capable briser facilement comme ça pour ça parce yes, que roc là est résistant à tout secours ça yes. Mais le sable lorsqu'on bâtit une maison sur le sable le yes, sable n'importe si vent n'importe si un petit de l'eau t'a passé sable là l'a gaillé. Amen. Et on capable comprendre qu'on y a lorsque Jésus-Christ lui mettait en face sous roc là avec sable là c'est on, pour faire comprendre que l'église là s'il pas bâti sous Jésus-Christ yes, il va pas capable rester camper. Amen. Amen.
yon l'église qui pas bâti sous Jésus-Christ, qui yes. pas jamais capable de rester campé. Et yon l'armée qui pas une fondation, pas jamais capable de rester campé. Yes, yes, amen. Yon l'armée qui pas une fondation, li pas capable de rester campé. Et yon ka senti énergie qui a dégagé dans la parole prophète lundi. Mm-hmm. Et exactement c'est ça. Pour parler de yon l'armée, pour yon l'armée solide, eh bien, gagner des principes qui doit établir. Sans principe, pas de l'armée. Yes. Pour parler de l'armée, il faut parler de fondation l'armée. Come on, prophète. Dans Éphésiens 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Come on. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yes. Pierre angulaire. Nous allons mettre en face sur pierre angulaire. Mm-hmm. Lorsqu'on parlait de pierre angulaire, longtemps, lorsque on a bâti des édifices dans l'ancien, c'est un type de pierre qu'on mettait dans le point central pour capable déterminer côté l'autre pierre qu'on peut déposer. Okay. Et c'est lui-même qui peut mettre, qui peut faire tout édifice là, qui est tout poids que le capable supporter. Parce que sans base là, sans fondement, sans pierre angulaire là, on peut pas mettre poids à supposer mettre sur édifice là. Pour que ça, parce que si on pas un point central pour sortir qui crée un alignement, on peut pas capable connaître côté tout le pierre à déposer et comme ça sont mettre au cahier édifice ça à tomber. Lorsque Jésus-Christ dit comme ça, l'église a li bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est l'Bible dit comme ça, c'est pas apôtre ou prophète là qui tout bagaille là, mais c'est lui-même qui toute bagarre. Come on, parce que c'est lui Pierre. Parce que c'est lui-même qui pousse la pierre angulaire. Ça veut dire même apôtre yo bâti sous pierre angulaire. Yes. Pendant que nous-mêmes nous bâtis sous fondement des apôtres et des prophètes. Prophètes. Mais yes. Apôtre prophète ça yo sous pierre angulaire. Yes, parce que yo gon ligne à suivre. Plusieurs wash suivent ligne yo, c'est à cause de pierre angulaire là. C'est-à-dire tout message apôtre là avec prophète là pral porter là, c'est message Jésus là. Oh, come on. Tout message docteur pral porter pour l'église là, c'est message Jésus là. Yes. Yon l'église qui yon la mer qui pas une fondation Jésus-Christ de Nazareth, les sujets à craser. C'est comme capable de son l'armée qui sans âme. Okay. C'est comme capable de son l'armée qui sans missile. C'est comme capable de son l'armée qui sans lance-roquette. Okay. C'est comme capable de son l'armée, amen, alléluia, qui sans gilet. Yes. N'importe vent passé, n'importe vent soufflé, oh il déjà se tombe. Oh amen, alléluia. Et je vais dire l'église qui là, soit ou non l'église qui n'a pas un fondement Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas basé sur Jésus, qui n'est pas basé sur la parole faite chère Jésus-Christ de Nazareth, il est déjà crasé. Ça ne va pas comprendre que l'église qui est en Haïti qui n'est pas capable de résister pour ça, parce que pas bâti sous pierre angulaire là, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Côté où depuis l'église ou cap crasé depuis John Clevé dans mitan rage yo qui dit qui l'église yo pral tomber pour qui ça yo pas bâti sous pierre angulaire là et vous n'avez pas capable faut comprendre que bâti sous pierre angulaire là c'est lorsque vous un message de Jésus-Christ pour faire l'église là. Yes, c'est ça l'armée a l'idée bâti sous un fondement qui et fondement de l'armée ça n'a pas parlé c'est Jésus-Christ parce que amen. Chaque l'armée qui existait, yo existait par une personne. Yes. Yo existait par l'idée d'une amen. Personne. Come on. Voilà pourquoi l'église qui est l'armée de Dieu, li bâti sous l'idée de Christ. Oh, amen. Li bâti sous l'enseignement de Christ. Yes. Li bâti sous sang Jésus. Yes. Parce que peu importe l'armée où tu apprends aller dans quelque soit nation qui existait ou après yon l'armée li existait à partir de l'idée d'une personne. Yes. Eh bien l'église qui est l'armée de Dieu li bâti sous l'idée de Christ. Yes. Li bâti sous le sang de Christ. Eh bien Christ qui est la pierre angulaire, c'est lui-même qui c'est fondement l'armée ça n'a pas l'air qui c'est Jésus. Et c'est ça le prophète l'a montré, lui montrer que yon fondation, yon maison qui pas gagné une bonne fondation, qui pas gagné yon bon sol, eh bien la fini par tomber. Eh bien, yon l'armée qui pa gagné yon bon base d'enseignement. Mm-hmm. Yon l'armée qui pa gagné yon bon base de renseignement. Yes. Yon l'armée qui pa gagné bon base de formation. Come on. Eh bien, l'armée ça l'a fini par perdu dans quelque soit guerre que la li. Yes. Et c'est ça pour faire la moto là. Ça veut dire l'église, ça qui fait force l'église là, c'est fondation l'armée là, qui c'est la pierre angulaire qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Par contre les prophètes souvle couler toujours, souvle dit quelque bagarre encore. Dans Matthieu 7, verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Yon l'église qui pas bâti sous parole, bon Dieu. Il n'est pas capable de sembler à l'église qui bâti sous roc là. Okay. Yon vie chrétienne qui pas
qui pas bâti sur la pierre angulaire, okay. pas capable de résister face à la tentation. Okay. C'est ça le pral dit dans Matthieu là. Il pral dit plus loin, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Yes. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est-à-dire, lorsqu'on fondait sur le roc, même si la pluie vient, on ne peut pas tomber. Même si vent souffle, on ne peut pas tomber. Amen. Même si toute tentation vient, on ne peut pas tomber. Amen. Parce qu'on fondait sur le roc. Ça, vous comprenez, Jésus-Christ étant le roc, il ne peut pas tomber pendant qu'il a fait 40 jours lorsque le diable vient tenter de le mener sur montagne. Là. Yes. Il ne peut pas tomber parce qu'il est bâti sur le roc. Et ça, il va dire dans Esaïe, il va dire, il y a un fils, il y a un monde qui bâti sur le roc. Ça, il va dire, même si on t'a éprouvé, il n'est pas capable de tomber. Yes. Et ça, il va dire dans Esaïe. Et là, il comprendre. Il y a un monde qui bâtit sur le roc. Il est difficile pour tentation de mener l'aller. Yes. Il est difficile pour lorsque vos gros vents, gros vagues, l'un meilleur vini pour yes. mener l'aller. Elle parle de plus loin. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Yes. La pluie tombée, l'a tombée. Yes. Come on. Gros vent soufflé, l'a tombée. Come on. Tempête vini, l'a tombée. Tout ça qui vient devant lui, il a tombé. Et ça fait, après l'église de nos jours, ça qui fait qu'il n'y a pas qu'à résister, c'est parce que il y a tant de monde au lieu de tant de mon Dieu. Wow. Lorsqu'on n'a pas tant de la parole, ou tant de monde, on n'a pas tant de la parole de Dieu, ou déjà sujet à tomber. Yes. Pour qui ça? Parce que ça, mon a dit, pour le fort tomber dans le tiré tout ya. Okay. Mais lorsque ça, mon vient dire, ou parle de la parole, mais comment pour m'appliquer tel verset, pour me venir ça, me besoin. Wow. Amen. L'église de nos jours, après pasteur, tombe tiré point sous pasteur. Okay. L'église de nos jours, après pasteur, tombe dans yin-yang avec pasteur. Okay. Prophète a attaqué prophète. Apôtre a attaqué apôtre. Okay. Tout le monde a levé contre l'autre. Pour qui ça? Parce que l'église là, il manque un fondement. Yes. Qui c'est pire là? Il va pas résister avec tribulation. Yo. Il va pas résister avec tentation. Yo. Yes. Il va pas résister avec ça qui a fini. Yo. Yes. Ça me parle de monde qui a été là, un pasteur qui a été là. L'il est pour nous mettre en phase sous pierre angulaire là, yes. qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Ils font le pour nous rester sous fondement nous. Amen. Ils font le pour nous retourner dans l'origine. Come on. Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voulons faire. Nous voulons toucher. Yes. D'abord, c'est fondement l'armée. Fondement l'armée, il n'y a pas l'autre que Jésus. Come on. Général là, c'est là qui c'est premier chef. L'armée, elle n'est pas l'autre que Jésus. Yes. Peu importe l'armée qui existait, il y a toujours besoin d'entendre des paroles généraux. Il y a besoin d'entendre qui ça généraux dit. Comment? Qui ça les généraux dit et pour eux-mêmes, ils mettaient en application. Eh bien, Jésus étant le chef suprême de amen, notre armée, amen. C'est lui-même qui est la pierre angulaire. Comment? Et c'est lui-même, lorsque lui a une ordonnance, et c'est lui pour nous tendre, pour nous réussir. Amen. Peu importe l'armée qui existait, depuis ou pas gagné des principes de base, côté yes. que ou pas là pour obéir à chef ou pas pour résister face à l'ennemi. Hein. Majorité de l'armée qui perdit un paquet de guerre, c'est parce que yo arrivé dans un moment côté que y a désobéi chef. OK, yo pas arrêté sous fondement yo yes. pas arrêté sous pierre angulaire qui nous gagné qui c'est Jésus yes. de notre armée. Eh bien à chaque fois l'église nous suspendons de ça, maître nous dit nous suspendons de ça, fondation nous en dit nous qui c'est Jésus, eh bien n'a toujours perdu peu importe combat qui vient en face nous. Yes. Ça veut dire l'armée pas nous, ça qui fait force l'armée pas nous, c'est qualité générale que nous gagnons dans l'armée nous, yes. qualité chef suprême que nous gagnons dans l'armée nous qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi longtemps nous pas attendre ça Jésus dit, nous pas faire ça Jésus dit, on garantit l'armée nous l'a affaibli. L'armée nous pas qu'à subsister face à tentation, face à combat qui a venu parce que quelle que soit l'armée, ou doit attendre chef yes. suprême, ou doit attendre qui ça regarder au dit, ou doit attendre qui ça principe hiérarchie dit, ou doit attendre tout ça commandant en chef yo dit et c'est ça yo dit pour faire et c'est lui-même pour faire pour réussir. Et parmi tous les chefs que nous gagnons, parmi les généraux, nous gagnons un chef suprême qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui-même qui c'est pierre angulaire et c'est lui-même qui c'est fondation l'armée ça n'a pas lié à qui c'est l'église. Déjà la Bible dit l'église est le corps de Christ. Le corps l'église de est Christ, le corps de yes. Christ.
Pour qui ça, l'église n'est pas la tête de Christ, c'est parce que Christ est déjà la tête. Comment? Puisque c'est Christ qui est la tête du corps, eh bien l'église est le corps de Christ. Comment? Eh bien, pour que le corps soit capable de mieux fonctionner, il faut qu'il obéisse à sa tête là dit. Comment? Et en notre tête là, il y a quatre sens. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le goût et il y a lui. Ça veut dire, Jésus peut-être parle, il y a quatre sens. Seulement le toucher qui nous-mêmes. Yes. Qui n'en met nous. Mais Jésus étant la tête du corps, il y a quatre sens. Ça veut dire c'est lui pour prendre sens pour nous. Yes. C'est lui pour ouvrir pour nous. Mm-hmm. C'est lui pour parler pour nous. Mm-hmm. Et c'est lui pour tendre pour nous. Comment? Et ça fait, c'est lui aussi qui peut bailler direction parce que c'est lui qui est la tête du corps. Mm-hmm. Et bien c'est Jésus qui est chef là. Mais Jésus parlait parce que bouche là, c'est dans la tête là. Là, Jésus parlait. Nous devons tendre ça, Jésus dit, yes. Pour nous obéir, pour que le corps yo fait ça, pour que le corps fonctionne, membre dans le corps, pour que le fait wall yo a bien, comment? Pour faire exactement ça que la bouche, ça que la tête dit. Ok? Eh bien, c'est Jésus qui est la pierre angulaire et c'est lui-même qui est fondement, l'armée, ça n'a pas l'air, qui c'est l'Église. L'Église, une armée de Dieu. Il y a une chose qui est extrêmement important. Lorsque nous avons parlé de l'armée de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6, homme de Dieu, la Bible dit un bagage qui est assez intéressant. Pardon? Éphésiens 6, les versets 10 à 17. Au reste, frère, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Yes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, yes. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Yes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible montre clairement que nous soyons l'armée. Parce que pour parler de l'armée, il faut parler de généraux, il faut parler de principes qui établissent de l'armée. Il faut qu'on parle des âmes qui existaient dans l'armée. Yes. Et si des âmes, faut parler de combats qui existaient dans l'armée. Et si des combats, faut parler de l'ennemi qui existait face à l'armée. Ça veut dire l'église, clairement l'église, c'est l'armée. L'église, nous gagnons chef dans l'église, nous gagnons âmes dans l'église, nous gagnons ennemis et dans l'église, nous gagnons combat. Yes. Mais il y a une chose qui m'a remis, qui m'a mis en pile attention sur lui là, dans le texte là. Comment? Nous ne pouvons pas être en tout, nous avons venu après. Yes. C'est que lui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Ça veut dire, nous ne pouvons pas gommer avec monde pareil nous, yes. L'église qui c'est l'armée, nous ne pouvons pas guerre à monde pareil nous, mais nous n'avons guerre avec un bon esprit. Yes. Ça veut dire, la première chose que je voulais mettre en phase sur l'armée de Dieu, nous payons l'armée qui a goumé avec moun. Et c'est une bagaille qui fait vraiment laid, qui fait vraiment mal pour des hommes qui dans même l'armée pour y a goumé une avec l'autre. Des hommes qui dans même l'armée pour n'a goumé une avec l'autre. Et c'est une bagaille qui fait mal en pile lorsque mon ouais des moun apprend partie intime de l'église pour exposer sur les réseaux sociaux. Wow. Côté que on est la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit nous c'est corps de Christ. Yes. Ça veut dire si la Bible dit nous c'est corps de Christ, eh bien automatiquement ou c'est un membre, moi c'est un membre. Yeah. Ou c'est un membre, moi c'est un membre. Eh bien si ou c'est un membre, moi c'est un membre. Quand il y a là moi à exposer sur réseau, hein, m'a exposer au grand public, automatiquement moi exposer une partie intime de Christ. Parce que nous sommes le corps de Christ. Ou c'est un membre. Une fois que m'attaquer, on m'attaquer un membre dans le corps de Christ. M'attaquer yon membre dans le corps de Christ, automatiquement, moi exposer intimité de Christ. Yes. Et ça comment, fait, moi pas aimer moun qui a parlé en mal de l'église sur les réseaux sociaux. Moi pas aimer yon moun qui a attaqué l'église sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nous pas goumé à l'église. Nous goumé contre des esprits. Nous sommes une armée de Dieu qui gagne pour ennemi Satan le diable et ses alliés. Nous pas gagné frère nous comme ennemis.
Non. Nous pas gagner frère nous comme adversaire. Non. Et c'est une bagarre qui fait l'aide pour un monde l'église. Qui est-ce qui c'est adversaire qui sont frères l'église? Qui est-ce qui c'est pico ennemi? C'est une seule église. Seule église. Li fait sens. Wow. Li pas fait sens. Où nous nous c'est une armée. Dans une armée, gagner plusieurs catégories. Gagner partie infirmière. OK? Yes. Dans l'armée, gagner partie mécanique. Yes. Dans l'armée, gagner partie technologique. Yes. Gagner partie chimique. OK, dans l'armée, gagner partie couture. Yes. Parce que moun ça qui dans l'armée gagner moun radio coude. Gen moun ki nan l'armée c'est soin yo bay moun au niveau physique. Yes. Gen moun ki nan l'armée li nan parti sport. Yes. OK, li même li pa mal langue mais là pour faire bibit tout nèg yes. pour y aller langue. Ça dit en dans l'armée a gen plusieurs parties. Ça qu'arrivé ou nan yon parti moi même moi nan l'autre parti. Yes. Nous pas obligé dans même parti dans l'armée de Dieu. Comment? Est-ce qu'on peut homme de Dieu? Yes. Nous pas obligé dans même parti dans l'armée de Dieu. Ça veut dire ou même ou cadre parti infirmière, moi même moi nan parti de guerre. OK, ou même ou quand on parti mécanique et puis on l'autre lui même dit nos parti sport. Ça veut dire même si m'en dans infirmerie, même fait partie de l'armée. Ou fait partie de l'armée. Même si m'pas bot zam de guerre, même fait partie de l'armée. Fait partie de l'armée. Comment? Et qui n'est qui dans l'armée qui pour que j'aime tirer une balle. Comment? Toute balle li tirer c'est dans académie. C'est côté yo apprendre tirer, c'est là le tirer. Mais pas jamais sorti une fois dans ville pour la tirer. Wow. Ça veut dire même si m'pa gen micro nan même. Comment? Même si m'pa sous chair l'église là. Comment? Même si m'pa pasteur l'église là. Comment? Même si m'pa jack l'église là. Comment? Même son simple servante de Dieu me fait partie de la mienne. Fait partie de oh la my mère. God. Oh my God. Ça veut dire c'est pas micro qui fait ou fait partie de oh la my mère. God. Oh my non, God. Non. Oh my God. L'armée de Dieu. C'est l'église. L'église, c'est une armée. Oh, my God. Mais nous tous, nous pas la même fonction dans l'armée. Il n'y a pas fait sens pour des frères nous vivre dans yin yang à l'autre. Il pas fait pendant que nous sommes même l'armée. Pendant que nous sommes même l'armée. Nous sommes même l'armée. C'est où pour apprendre moi? Parce que dans la partie pour là, c'est où qui maîtrise. C'est moi pour apprendre yes. parce que dans la partie pour là, c'est moi qui maîtrise. Yes. Nous avons besoin de connaître que l'église, c'est l'armée de Dieu. Puisque c'est l'armée de Dieu, eh bien, gagner plusieurs catégories dans l'armée de Dieu. Nous pas obligés de faire partie de même catégorie. Et c'est une des bagailles qui vraiment a pas de problème de la Bible. Moi, mon verset, moi, m'empile dans la Bible. Mon verset, moi, m'empile. Il dit que il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il, ça, c'est le Saint-Esprit. Il est un fleuve. Ça, c'est le Saint-Esprit. Yes. Dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Les courants ici, ils sont connectés à le fleuve, qui c'est le Saint-Esprit. Les courants, ils sont connectés avec le fleuve là, qui c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est un fleuve dont les courants. Il y a il ici qui c'est singulier. Singulier. Les courants qui c'est pluriel. Maintenant, il, ça, c'est le Saint-Esprit. My God. Pluriel, ça, c'est plusieurs courants qui sont dans l'armée de Dieu. Dans l'armée de Dieu. Qui c'est nous-mêmes les saints. Les... Nous, chaque lagon courant. Amen. Mais pendant que nous, chaque lagon courant, nous pluguons dans le fleuve. Dans le fleuve. Pendant que fleuve, là, il réjouit, courant, il réjouit aussi. Come on. Avance, il est le fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a le fleuve de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et dans cette maison, il y a les courants qui sont connectés à le fleuve qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire, nous faisons partie de l'armée de Dieu, mais nous ne faisons pas partie de la même catégorie de l'armée de Dieu. Nous, chaque, nous un compartiment dans l'armée de Dieu. Est-ce que vous comprenez, homme de Dieu? Ça veut dire, nous ne pas obligés de la même catégorie. Et c'est ça qui cause, je dis, en pile homme de Dieu dans la guerre. Et une raison qui fait guerre, ça, c'est adepte nous, c'est monde qui suivent nous. Ce sont les ismes, nos fils spirituels. Et c'est eux qui créent la guerre là. Yes. Parce que ils voulaient que pour monde semble avec papa yo. Non, nous pas obligé semble avec papa. Yo pas d'accord avec catégorie. Nous pas obligé semble avec papa. Non, nous pas obligé ça. Non. Pas obligé ça. OK. Et mais si nous obligé semble avec papa, bon Dieu obligé faire tout monde bien tourner en tête seulement. Imaginez-vous toute partie dans corps en tête. Qui sens corps t'a gagné? Ou t'a ton dia? Qui sens tout connaître ses yeux? Faut que yeux faut gagner, faut que bouche faut que pied, faut gagner faut gagner dos. Yes. Ça veut dire nous sommes les courants qui réjouissent la cité de Dieu, mais nous bloquons
avec le fleuve yes. qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire nous faisons partie de l'armée de Dieu, mais dans l'armée, il y a plusieurs catégories. Il y a des hommes qui l'a dans l'armée, qui l'a comme sentinelle. Nous ne sommes pas obligés de sentinelle dans l'armée de Dieu. Non, non, non. Non, 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 non. Nous, c'est pico. Non, nous ne sommes pas obligés de sentinelle. Dans l'armée, sentinelle, il n'y a pas jamais pile. Non. My God. Ok? On parlait de le camp de l'armée. Le camp de l'armée. Côté l'armée à l'issiégé, à côté l'armée à l'habité, à l'idominé. Ou après, il y a des petits espaces qui ont fait, qui ont des tentes qui paraissent plus haut, des tentes qui paraissent plus haut, côté pour sentinelle, yo, yes. Ou après, autour de l'armée, il y a plusieurs sentinelles dans chaque petit espace là. Même majorité de l'armée, yes, en bas. Majorité de l'armée. Mais dans tête, il y a des sentinelles. Des sentinelles. Ça veut dire, ou pas qu'on veut nous tous dans l'armée à sentinelle. Qui est-ce qui a veillé? Qui est-ce qui a prêté pour faire manger là? Qui est-ce qui a prêté comme infirmière là si on monte en balle? Qui est-ce? Qui est-ce qui a prêté? Oh my God! Qui est-ce? Nous tous pas obligés sentinelle. Nous tous pas obligés. Et ce problème ça a nous gagné l'église. Nous pas comprendre que message sentinelle là est pour lui. Oh my God! Nous tous pas qu'à évangéliste. Nous tous pas qu'à évangéliste. Nous tous pas qu'à pasteur. Nous tous pas qu'à prophète. Yes. Nous tout, non, nous tous pas qu'à apôtre. Non, 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 non. Nous pas obligés de même message. Il y a des messages qui sont des messages phares pour le corps de Christ. Yes. Il y a des enseignements que c'est des enseignements phares pour le corps de Christ. Yes. Prenons par exemple la sanctification, l'amour, le pardon, la puissance, l'intimité, la communion, le Saint-Esprit, l'enlèvement, les positions des mains. Ce sont des choses qui des enseignements qui pour tout le monde. Qui pour orienter l'église. Yes. Qui pour tout le monde. Yes. Tout homme de Dieu qui a parlé de ça. Mais il y a des hommes de Dieu que bon Dieu l'a taillé pour la sanctification. Ils ont message. Ils ont message. L'homme de Dieu et son message. Et son message. Maintenant, ou pas qu'à vouloir sanctification pour me parler, pour me parler. Non. Depuis qu'il a dit, non, oh, non. Moi, je me donne mis à prêcher sous sanctification. Moi, je me donne mis à prêcher sous l'amour. Bah, non, ce n'est pas mon message. Je vais parler de lui, mais ce n'est pas mon message. Yes. C'est votre message. Puisque ce message, vous avez parlé de vous. Quittez mon nom, parler de ça. Comment? Message dit. Li par contre, ça va parler. Par contre, ça va parler. Nous, par contre, ça l'a parlé. Et c'est ça qui a fait valeur message. Yes. N'ayons l'armée, gagnez tiré de lui. Tout le monde pas tiré de lui. Non. Tout le monde pas sniper. Tout le monde pas sniper. Tout monde pas sniper. Oh my God. Même dans l'équipe football, gagnez pas mal pour coup franc. Yes. Qui n'a pas même fait le même beaucoup franc. Depuis que le coup franc a dit quitter et tel tiré. Et tiré de l'île, c'est lui-même qui a couvert pour vous pendant devant. Pendant devant. Il a dit que je vais prêcher là et puis tout le monde a intercédé pour vous pendant mal prêché. Oh my God. Yes. 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 Il a dit ils sont tirés de l'île. Il a tiré mais il a dit que je vais tout. Oh my God. Même pas prêcher. Oh my God. Il a même dit côté, il a quelque part la prier pour vous. Oh my God. Et pour même pas prêcher. Oh my ou bien passé, ou pensez que c'est parce que vous connaissez ce qui seulement. Non? Et c'est ça que tu as gagné avec Charles Finet. Lorsque tu as gagné intercesseur, Nash, qui était toujours devant. Qui était toujours devant à prier, à préparer le territoire pour lui. Et lorsque Charles Finet prêchait, imparfait. Mais qui est-ce qui fait nettoyage là? C'est Nash. Nash. Ok? Nash a payé Baka, vous pensez? Nash, c'est un tiré d'élite. C'est ça l'armée de Dieu. Je ne comprends ça. Qu'on pas qu'être guerre utile dans le pays. N'a pas évité. N'a pas évité. Pour qui ça? La Bible dit, homme de Dieu, il y a une bagarre qui est extrêmement fort. La Bible dit, pendant que Jésus était sur la terre, il y avait un ange dans la ville qui gagnait une piscine de Bethesda, qui a guéri les gens. Pendant Jésus, il y a un ange qui a guéri les gens. Pour qui ça allait, Jésus venu, il n'y a pas tout fait les anges là, si c'est pas la question de guérison. C'est parce que Jésus connaît, les anges font partie de l'armée de Dieu. Pendant lui-même, il est venu pour guérir, il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas guéri tout le monde. Il y a des gens qui ne connaissent ça. Jésus, il y a des gens qui ne peuvent pas guérir dans le ministère. Il y a des malades qui perdent côté de Jésus, ils ne peuvent pas guérir. Yes. C'est les anges qui guérissent. Yes. Ça veut dire que Jésus connaît toute guérison sous la terre. Tout le monde qui est malade, pas de poulie pour le guérir. Malgré le relais Jésus. Malgré le relais Jésus. Malgré oh my God. Sauver. Il y a des gens qui ne peuvent pas sauver. Oh my God. Qui est malade, Jésus va sauver. Pendant le parcours sur la terre, ces anges dans la piscine de Bethesda guérissent. Ça veut dire que Jésus reconnaît dans l'armée de Dieu. Il y a ce qu'on appelle fonction angéo et fonction l'homme. Yes. C'est-à-dire Jésus admet que les anges là, ils ont un ministère de guérison pour la guérir dans la piscine de Bethesda. Est-ce que vous comprenez homme de Dieu? Ça veut dire nous montrons clairement, nous parler de fondement de l'église là et nous parler aussi de essence l'armée. L'armée, nous parlons l'armée qui est en guerre avec nos frères, mais nous sommes l'armée qui est en guerre qui est en face Satan. Et nous montrons tout dans l'armée. Nous pas obligés dans la même catégorie dans l'armée. Et c'est ça qui va être plus problème. Nous voulons pour tout le monde semblable à monde dans l'armée. Non. Il Dieu n'est pas jamais foyer de foi. Il n'est pas jamais foyer semblable.
Jamais. Al garder histoire de réveil, ou pas jamais un réveil qui semblait. Par contre, pas jamais un réveil qui semblait. Jamais. Aller dans histoire de réveil, ou pas jamais un réveil qui semblait. Ou pas qu'à vle pour me sembler avec paix spirituelle. Non, ou pas qu'à vle pour me sembler à prédicateur vraiment pile. My God. Ou pas qu'à vle pour m'enseigner, j'en remet tant d'hommes de Dieu qui ont vraiment pile là la prédication. Non, 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 non. Pas qu'à vle comme ça. Et ou qu'à parler même. Pas gagner de mal dans ça si ou pas trop remis les m'a enseigné ou c'est moun ou ka pire mon moun que moi pas gagner de mal dans ça et nous même homme de Dieu tout faut nous admettre gen moun ki ka remon moun que nous normalement comme moun ki ka mais faut admettre tout gon moun ki ka remen tout que moun nous remen yes est-ce que vous comprenez ça tout là pendant que ni moun nous remen ni moi même n'a travaille pour le royaume n'a travaille pour une seule armée pour que le royaume de mon Dieu soit capable d'avancer. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit dans Esaïe 28, verset 6, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Yes. Voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre. Oh, la une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, celui qui la pendra. Pour appui n'aura point hâte de fuir. Yes. Yon nan baga qui fait l'armée, l'armée de terre ou bien l'armée de l'air ou bien l'armée sous-marine. Yon nan baga qui fait ou bien la marine. Yon nan baga qui fait l'armée, c'est mentalité l'armée. Come on, come on, come on. Gen de mentalité yon l'armée gagne, il pas capable vivre en ken côté. Ouais. Ça vle pas vle, gen moun qui en dans l'église qui pas sauvé. Claire. Qui ça parce que mentalité il pas basé sur la pierre angulaire, il pas forgé sur la parole. Yes. Yes. Et si que ou pas forgé sur la parole, mentalité pas en mentalité de fer. Yes. Mentalité pas en mentalité d'iam. Et ça veut pas dire dans Ésaïe, ou pas dire il mettait une pierre éprouvée, une pierre qui gagne force, une pierre qui sont rock solide qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Immédiatement ou appuyer sous pierre ça. Yes. Vous connaissez lorsqu'on appuie sous pierre ça, même si gros vent vient ou pas qu'à courir pour lui-même, même si tempête vient ou pas qu'à courir pour lui-même, yes. Immédiatement on connaît ça, mentalité son mentalité qui fort. Yes. 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 En tant que soldat de l'armée, nous devons gon capacité, nous devons gon mentalité lorsque yon bagay vient devant nous pour ne pas courir devant. Yes. Yes. Et c'est ça qui va le faire force l'armée. Yes. L'armée pas courir pour l'armée. Amen. 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 L'armée pas courir pour l'armée. L'armée affronter l'armée. L'armée affronter l'armée. Même si y a mouri, on va courir. Même si y a pipiti, y a courir. Y a pas affronter. Sinon Gédéon pas jamais la bataille. Yes. 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 Parce que Gédéon dit Jésus, bon Dieu, pitié, m'ba ou a qui force m'ba bataille avec tout nèg sa yo. Yes. Les Gédéon bal pour la tirer pile soldat. Jésus non, m'a trier dans yo. Ou met avec ça. Yes. Va avec cette force que tu as. Oh my God. Force qu'on gagne qui s'allie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et force ça, il parle de force qui pitié. Yes. Force ça, il qu'a ressuscité la mort. Oh, là, force ça, il gagne clé la vie et clé la mort. Oh, et c'est ça qui parle fait force la meilleure. Yes. Lorsqu'on connaît en tant que armée de Jésus-Christ de Nazareth, ou qu'on monde qui a ressuscité, monde qui mourit, ou pas qu'il y a bagaille pour payer encore. Yes. Ou pas qu'il y a bagaille qui a ébranlé encore. Parce que la mort, c'est la chose la plus forte qui existait sur la terre. Yes. Si la mort, c'est bagaille qui plus fort qui existait sur la terre, bon Dieu m'en kafel. Et puis tout peur. Non, ou pas de peur. Oh my God. Et l'église, étant que armée de Dieu, yes. Lorsque l'église a dit bagaille ça, il n'y a pas fermé pour baka. Oh la soka. Il n'y a pas fermé pour démon. Il n'y a pas quitté zone pour baka. Parce que tu n'as pas pris la fuite pour être baka dans la zone. Il n'y a pas pris la fuite pour être des démons qui ont persécuté dans la zone. Non, au contraire, il remet combat. Yes. Au contraire, l'armée remet combat. Amen. Suis amen, bien. Amen. Entre guerre qui gagne dans le moment là, une guerre qui a fait ravage. Malgré l'Ukraine qui a fait une force. Malgré l'Ukraine qu'on n'a pas assez de zam pour la bataille contre la Russie, mais le style toujours kembe combat pour qui ça? Parce qu'il qu'on appuie. Yes. Amen. Et qu'on appuie. Lorsqu'on appuie en tant que soldat de l'armée qui c'est Jésus-Christ de Nazareth ou pas peur combat. Ou pas peur combat. Ukraine qu'on appuie qui c'est les États-Unis. Li en background, il pas fouer tout pied dans combat mais la fourni zam. Yes. Ça veut dire que je suis dans l'église là, et puis tout mon problème, je suis appuyé. Yes. Je suis appuyé qui c'est Jésus-Christ, et je suis appuyé le soldat ensemble avec moi. Yes. Pendant ma petite flèche, je suis le soldat, pendant la calée, la petite flèche. Yes. Ba... Oh my God. Come mais l'église qui est en Haïti, ils ont l'armée Ying Hang, l'élevé contre l'autre. Pas de qui appuie l'autre, pas de serviteur de Dieu, pas de pasteur qui appuie l'autre pasteur. Lorsqu'on pasteur tombe dans un scandale, ils ont même scandalisé pasteur au lieu pour lever et le camper.
Billy Graham te dit bagay ki fort, te conservateur de Dieu qui est tombé à l'époque. Okay. Pendant serviteur de Dieu a tombé puis Billy Graham gon émission qui invité lui. Pendant émission invité, lui puis tout il a parlé. Pendant lui poser une question dit comme ça. Nous est serviteur ça tombé. Pour qui ça nous pas jamais tendo à tirer toya sur serviteur de Dieu ça qui tombé là. Billy Graham dit non pour qui ça me pour me faire ça. Je gétant achevé déjà pour que ça moi même c'est moi même qui pour t'aller faire reste travail là. Pour me t'aller tuer le net, pour me t'aller péter fiel le net. Eh la massaya. Mais journée jeudi dans l'église, si un homme de Dieu tombé dans péché, si un homme de Dieu t'a fait erreur, si un homme de Dieu t'a commis pour mettre en gaffe, nous même encore nous prendre nous exterminer. L'armée de Dieu pas pour ça. On peut l'armée de terre lorsqu'un soldat il tombé, au lieu pour quitter quoi, il faut plutôt mourir à quoi. Non mais il pas quitter. Il a pris le métal sous deux et puis tout y a la velle. C'est ça la main de Dieu. Yes. La main de Dieu, c'est l'image parfaite de la main de Dieu. Yes. La main de Dieu, lorsque je me blesse, même si je me fais erreur vrai, même si je me tombe vrai, mais aide-moi pour me relever encore. Yes. Aide-moi pour me délumier encore. Aide-moi pour m'avancer encore. Mais je dis à nous prendre la main à nous gaspiller. En pile homme de Dieu gaspille la mère pour qui ça? Parce que en pile dans nous-mêmes, nous cause en pile monde pas repenti. Pour qui ça? Parce que nous fait quoi? La mère, si me prend balle me cocobé, tout mourir. Si me prend balle dans pied ça va pas servir encore, me tout mourir. Eh la massaya. Si gon bagaille moi fait là, ou tout dit tout mourir pas gagne, me pas ca prendre chien encore. Ou bay 5 ans sanction, ou bay 10 ans sanction, comme si c'est ou même qui met la mère. Qui t'aime de pas mettre la mère, c'est Jésus qui met la mère. Yes. Oh my God. Ma parole avec un monde qui t'est tombé, qui t'est font gaffe, qui t'est font erreur. Y a un homme de Dieu qui font gaffe. Lève les campés encore. Yes. Parce que la mère, son seul monde qui met lui, c'est Jésus Christ de Nazareth. Yes. On prend temps pour préparer dans la prière. On prend temps pour préparer dans la sanctification. On prend temps, amen, alléluia, pour préparer dans la sainteté. Yes. Mais après ça, retourner après ton fin prend. Yes. Parce que Satan, l'homme dit, c'est pas tant ça, mon Dieu dit. Les bon Dieu, retourner. Oh my God. Bah dire qu'un négal fait des autres parce qu'il y a des sanctions 5 ans. Mais l'offre prend tant ça, dans sanctification, dans sainteté, monter chez encore, prêcher l'évangile Christ là. Montrer mon chemin qui te fait tomber pour ne pas passer là-dedans encore. Yes. Et c'est ça, Billy Graham, te montrer. Oh my God. C'est vrai, il t'est tombé vraiment vrai. C'est vrai. Il t'est fait gaffe la vraie, ça vient de Dieu, je ne vais pas citer non. Il t'est fait gaffe la vraie. Mais il n'a pas achevé. Mais il n'a pas achevé. Et à cause que le pape achevé, je dis à l'église, il prend pied avec moi, il sauve l'homme pour Christ. Et achevé, il n'a pas achevé, il est bon pour Billy Graham. Pour ça, parce qu'à l'époque, tout le monde qui était dans l'église, dans l'église, il allait dans l'église Billy Graham. Billy Graham, comprends-tu, mais c'est pas en face pour lui. Il n'est pas en face pour lui. Mais c'est pas un adversaire pour lui. Parce qu'il fait partie de l'armée. Il fait partie de son armée. Oh my God. Dieu. Oh, Sarabaya Shakatabaha. Joue qu'il est, n'a pas comprendre. Homme de Dieu pareil, nous. Oh my God. Pas en face pour nous. Oh my God. Mais il s'est un soldat pareil, nous. Oh my God. Dans l'armée de Dieu. Je nous comprends ça. Je garantis nous comprenons qu'est inutile. Oh my God. Fini avec eux. Oh my God. Ils font l'heure pour nous reconnaître. Nous sommes même soldats dans l'armée de Dieu. Oh my God. Nous faisons partie de une seule armée qui c'est l'église. Oh my God. Partie de l'armée de Dieu. Nous pas obligés dans la même catégorie dans l'armée. Qui tout voulait, qui tout pas voulait. Ou pas qu'à l'ancien avant, ou pas qu'à l'ancien avant. Non. Pas qu'à l'avant, pas qu'à l'avant. Même si tu as mouru avant. Oh my God. Pas qu'à l'avant. Et même si tu as mouru avant, ou pas qu'à l'avant. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça dit premièrement, non deuxièmement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés. Oh my God. Ça ne veut pas dire transformés pour les morts parce qu'ils ont été mourus. Yes. Il y a même besoin de ressusciter. Yes. Comme nous-mêmes, nous ne sommes pas mourus, nous-mêmes, nous sommes transformés. Et nous avons fait seul pour nous rencontrer Jésus. Ensemble. Dans les airs. Ensemble. Ensemble. Elle dit qui tout propose? Ou pas reconnaître moi. Je propose, je ne reconnais tout. Qui tout propose? Ou va chuter sur moi. Ou va chuter sur Dans la même l'armée. Pas prendre l'ancien avant l'autre. Nous prenons aller ensemble. Oh my God. Si nous dans la même l'armée, eh bien, nous avons besoin de reconnaître l'armée a besoin d'une mentalité d'unité. Comment? Et c'est cette mentalité que le prophète t'a parlé. T'a parlé de une mentalité qui est forte. Une mentalité qui est forte, c'est une mentalité d'unité. Yes. C'est une mentalité pour nous connaître qu'elle est elle, elle fait partie de même l'armée avec nous. Eh bien, si moi de faire yon bagay pour lui, li pas de yon destruction pour lui, mais il doit yon force pour lui. Et ça fait depuis m'pa ka parler bien de yon homme de Dieu, m'pa parler de lui. Yes.
Yes. Depuis pas parler bien de homme de Dieu, m'pas parler de lui. Yes. Moun qui connaît me comme ça, m'pas chambre parler en mal de aucun homme de Dieu. Yes. Depuis m'pas parler bien de homme de Dieu, m'pas parler de lui. Yes. M'pas parler de lui parce que ça qui est plus important pour moi, c'est pas tuer homme de Dieu, mais c'est sauver homme de Dieu. Nous avons une génération côté que nous avons vivre avec des blessures. En pile homme de Dieu nous blessé dans cette génération. Nous avons vivre avec des blessures. Mais nous besoin aussi prendre un petit temps pour nous penser blessures. Nous besoin prendre un petit temps pour nous penser. On pas capable ajouter sous blessure. On pas capable ajouter sous blessure. Eh bien ni moi ni vous nous besoin prendre un petit temps pour que nous résoudre ça, pour nous guérir de toute blessure que nous gagnons. Nous besoin qu'on est dans une armée de plusieurs catégories. Et c'est ça qui va le faire nous vivre dans une parfaite unité. Une fois que nous gagnons mentalité pour nous reconnaître gagner plusieurs catégories dans une armée, eh bien moi garantis vous, m'a connait importance ou va connait importance moi. Sous faire partie de infirmier, hein, eh bien si me blessé, m'a venir côté pour penser pour guérir. OK? Si m'a conduit machine l'armée, pendant m'a conduit machine l'armée li en panne, m'a connait pour me faire appel avant parce qu'on est parti mécanique là pour venir ranger machine là. Et c'est ça que fait nous yon pas besoin l'autre parce que moi pense moi c'est toute l'armée à pour comme et au même moi pense c'est toute l'armée à pour comme pourtant il pas comme ça elle pas jamais comme ça sinon Jésus t'a pas venu il fait affaire pour quoi pour qui ça l'alcool Jean-Baptiste parce qu'elle connaît Jean-Baptiste c'est un général de l'armée de Dieu si Jean-Baptiste pas le passer elle pas qu'à faire yes pas gain pas bon la caille bon Dieu non du tout ah aucun penser c'est Jésus c'est pas sans raison l'alcool Jean-Baptiste Jésus si Jésus pas l'alcool Jean-Baptiste Jésus, oh pas de monde qui t'attendait. Yes. Parce que dans l'époque, là, c'est Jean-Baptiste qui était quoi. Yes. C'est dans Jean-Baptiste qui était quoi. Et ça fait, les gens viennent contre Jésus. Ils ont dit, Jésus, dis-nous qui est-ce qui a autorité pour faire ce qu'on fait. Jésus dit, OK, m'a posé une question. Depuis nous répondre, moi, m'a répondu. Qui est-ce qui a Jean-Baptiste autorité pour faire ça l'affaire? Les gens qui connaissent, c'est bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh my God. Les gens qui connaissent, c'est bon Dieu. Yes. Les gens qui parlent, dit, c'est un monde ou bien pour yo bleu Jean-Baptiste parce que le peuple a la vidéo peuple a trop connait Jean-Baptiste. Jésus pose une question un pour le mettre en face peuple là et de deux Jésus pose une question pour le faire nèg connait ça m'a fait là m'a fait sous deux mandats. Oh my God. M'a fait sous mandat de Dieu m'a fait sous mandat Jean-Baptiste. Parce que non seulement mon Dieu va me passer Jean-Baptiste aussi va me passer. Oh my God. Ça veut dire on dit que Jésus lui pas t'a plié devant Jean-Baptiste pour Jean-Baptiste te baptiser. Ou après là Jésus vini Jean-Baptiste dit Jésus non c'est moi qui besoin baptême. Jésus dit hey on qui t'a fait ça qui est convenable là. Ça veut dire ça qui est convenable là, c'est pas Jésus qui pour baptiser Jean-Baptiste, yes. Mais c'est Jean-Baptiste qui pour baptiser Jésus. Oh my God. Jésus dit laisse faire ce qui est convenable. Glory to God. Laisse faire ce qui est convenable. Oh my God. Ça veut dire ça qui est convenable là, c'est pas Jésus pour baptiser Jean-Baptiste, c'est mais Jean-Baptiste c'est Jean-Baptiste qui doit baptiser Jésus. Ça veut dire si Jésus pas pour mandat Jean-Baptiste, ça lui pas ta convenable. Oh my God. Il pas ta convenable. Ça qui fait ministère Jésus convenable, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Oh ça veut dire God. Jésus besoin Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste reconnaît Jésus. Ça veut dire pendant Jésus est à la recherche, Jean-Baptiste reconnaît Jésus. Oh Jean-Baptiste dit, c'est moi qui besoin pour là. Ça veut dire Jean-Baptiste pas ouais Jésus qui vient couper devant, qui vient prendre baptême dans Jean-Baptiste tout lui descend devant Jésus, lui dit c'est moi qui besoin pour là. Oh my God. Ça veut dire une reconnaît capacité l'unité. Une reconnaît valeur l'autre, une reconnaît ça l'autre qu'a fait. C'est ça la pensée. La mentalité d'unité dans l'armée de Dieu. God. Et c'est ça nous besoin dans cette génération. Nous besoin reconnaître ou dans l'armée, moi dans l'armée, qui c'est l'église. Ou qui a une valeur stratégique ou qui a une valeur stratégique. Valeur stratégique, mais pas obligé, même valeur stratégique avec. Yes. Et le jour où nous reconnaître, nous tout important dans l'armée de Dieu, moi garantis qu'on paquet de bagailles qui pas passer dans le temps. Et qu'on a une guerre inutile qui va déposer. Yes. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit, yes. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ça est Paul qui a parlé là. Yeah. Et un autre bâtit dessus. Oh. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Hey, Yama, ça. Je prends une histoire qui est vraie ensemble avec nous-mêmes. Un homme de Dieu qui est fils spirituel, un homme de Dieu. Je vais citer nous. Pendant le fils spirituel homme de Dieu, tout, bon Dieu révélé pour le faire l'église. Okay. Mais l'homme de Dieu, par rapport à ce qui est passé dans le passé, le bon café qui est fait, qui s'est aîné, et petit spirituel là. C'est papa petit spirituel là, mais le bon café qui est fait parce que l'église était fait par rapport à un café.
l'église a été brisée pendant l'église a brisé et puis tout bon 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 dans monde calé ensemble avec tout à jeune et puis tout pendant homme de Dieu qui c'est petit lien dit pas faire l'église là monsieur maudit petit lien pour qui ça parce que il gon blessure en dedans il gon bagaille en dedans en pensant que ça le te fait c'est lui même petit lien après le fait pourtant Paul pas réfléchi comme ça Paul pas garder la main bon Dieu comme ça Paul pas ouais la main à comme ça Paul pas vivre la mer comme ça. Non pensez pas lorsque tu as expliqué la mer, c'est pas saleté ouais dans Corinthiens. Il dit lui-même dit ça, il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi poser fondement yo. Moi poser premier roche là. Moi poser premier pierre là, mal dans des villes, moi poser fondement, mal dans des quartiers, moi poser fondement en tant qu'apôtre. Mais même si moi poser fondement, même si ou même tout ou comme gonda vienne poser fondement sur fondement te poser là, ou qu'a poser pierre par là parce que me t'en mettre premier pierre là, mais pas seulement pour pierre à poser. Pour bien poser. Et c'est ça que vous mettez. Pour pas casser la mer. Oh my God, comment ça vite? Comment ça? C'est ça le pire. Oh my God, oh Shadagaba. Prenez garde. Prenez garde. À la manière dont il bâtit dessus. A dit, ou qu'a fait une bâtie là, ou pas là, ou casser la mer. Parce que la mer qu'a crasé avec une seule parole ou dit. Ou qu'a shooté son serviteur de Dieu là, ou casser la mer. Yes. Ou qu'a crasé l'église avec une parole ou dit. Yes. Parce que serviteur de Dieu n'est pas capable de prendre pour sérieux encore pour qui ça? Parce que ou même en tant que aîné, ou pas prendre pour sérieux. Come on. On dit des mauvaises choses pour lui. Même si nous pensons et pas à ça, non. Mais je peux tomber dans shooter sous lui, dit des bagages. C'est ça qui a passé dans l'église aujourd'hui. Yes. Ou des grands hommes de Dieu qu'on pas même penser même à shooter sur l'autre homme de Dieu. Et ça vient foutre un gâchis total pour l'armée de Dieu. Guerre inutile. Moi, les ça des guerres inutiles. C'est guerre pas obligé d'exister dans l'armée. Oh my God. Ça, c'est pète de âmes. Et le parle bien, il va dire dans 1 Corinthiens 3 verset 12. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. 1 Corinthiens 3 verset 13 dit: car le jour le fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire c'est pas moi qui parle révéler si on serviteur de Dieu pas bon. Pas pour me faire ça. Mais le temps différable dit mais qui ça bon, mais qui ça pas bon. Parce que lorsque tu fais la éprouver on connaît mais ça bon, mais ça pas bon. Oh my god. Tu fais l'œuvre. juger fond après juger. Oh my god. Ça que t'es fait avec l'or, ça que t'es fait avec chaume, ça que t'es fait avec du bois et tu fais après éprouver. On prend une vraie nature avec le temps. Ça veut dire, dans l'armée de Dieu, il y a ce qu'on appelle épreuve. Yes. OK? Dans le langage militaire, il y aurait ça baptême de feu. Yes. Dans le langage militaire. Eh bien, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle baptême de feu. Eh bien, il y aura le passé baptême de feu à tout soldat pour y avoir travail à qui travaille l'été. Yes. Comment on te fait? Comment on te comprend? Est-ce que c'était avec de l'or que on t'a bâti? Ou bien est-ce que c'était avec du bois? Eh bien, si c'était avec bois, feu à brûler. Well, oh my God. Mais si c'est l'or, la brille travail là. Ça veut dire l'épreuve de l'armée de Dieu, il fait la maturité d'un soldat. Eh bien, feu à, il prend l'épreuve travail. Eh bien, l'or, là, l'aile du feu, il ouvre quoi? Parce que ça a brillé. Ça prend le feu briller. Mais ce qui est important, c'est pas nous qui feu à, mais c'est le temps. Qui fait, c'est Dieu qui prend éprouver travail chaque monde. Ça veut dire chaque monde est important dans le royaume. Non. Yes. C'est pas où qui peut dire ça. Ça non. Pas, non. C'est le temps, c'est le maître et le temps qui prend venir avec le feu et qui prend éprouver travail chaque monde. Ça veut dire c'est pas où qui pourra boumer, qui pourra. Non. Et ça fait grand pile monde qui prend la place de notre général, yes. De notre armée. Yes. Grand pile monde qui prend place général, yes. Là, qui prend place Jésus. Yes. Grand pile monde qui prend place Jésus. Yes. Dans l'armée. Oui, comme si c'est eux que Jésus. Yes. Comme si c'est eux que Jésus. Si c'est pas eux qui approuve, pas grand monde qui approuve. Si c'est pas eux qui va passer, pas grand monde qui va passer. Si c'est pas eux. Si c'est pas eux. Non. Ça va exister, mon frère. Dans l'église, il est plus grand que où. Avant d'exister, l'église existait déjà. Mais c'est en sérieux. Yo, comment ça va bon passer dans le temps? Faut yo bon passer, c'est pas où que tu vas passer. Et ça va être un bagage en pile fois. Nous avons dit, moi, je ne vais pas finir la donne. Oui. Et nous, tout, qu'on a dit, je ne vais pas finir quoi, non? Comme si tout s'assemblait,
après assemblé. Pas toujours quoi ça non. Pas toujours quoi tout ça qui semble après assemblé non. Pas toujours. Grand pile bagage qui semblait qu'après ta distance. Yes. Bon, si nous toutes qui semblait nous rassembler et ça qui pas semblé nous même, il y a perdu. Pas fin marcher dans logique ça 100% non. Marcher là dans 50%. Grand pile monde qui semblait qu'après rencontrer mais pas tout. Si tout ça qui semblait t'a rassemblé, les gars Elia et Jezabel là tout t'a rassemblé. Oh ouais. Pas fin marcher là dans 100% non. Si par exemple, si mon Dieu relève pour le réveil, m'pa quoi me c'est un agent réveil, il est mal marcher dans l'église réveil non. Non. Pas comme ça. Quoi yon vrai agent réveil? L'el non l'église traditionnelle li pa kitel. Yes. Genye ki pa ka rete. Yes. Parce que si yon rete, y a vin traditionnel, y a yes. mouri. Yes, yes. Mais gen des vrais hommes de réveil qui va braler la là dans tradition pour changer oh de tradition. God, oh my God, oh my God, oh my God. Parce que si c'est dans l'église réveil ou aller qui pour faire un homme de réveil ou pas un homme de réveil. Pas homme de, yes. Ou un éveil, mon pas un homme de réveil. Il y a une grande différence entre réveil et éveil. Mm-hmm. Le but du réveil, c'est éveil. L'oreille est éveillé, ça pas veut dire ou en réveil. Pour réveiller, il faut t'endormir. Yes. Pour un agent de réveil, il faut écouter réveiller le monde qui t'a dormi. Comment, comment? Ça veut dire, il y a un monde qui est dans l'église, qui est traditionnel, en tant que homme de réveil, là pour le cas est différent en même temps, pour le faire, tout le monde est impacté. Tout le monde est réveillé, pour l'impact. Tout le monde est réveillé. C'est ça. Mm-hmm. Ça veut dire, je ne sais pas si logique, tout ça semble de rassembler dans l'armée de Dieu. Je ne sais pas si ça, non? Pas fin quoi non, non. Pas quoi 100% pas marcher la donne 100% quand pile qui semblait qu'abrité à distance. Yes. Pour qui ça pour ne faire ça pas sembler au vin sembler non. Parce que si nous toutes qui semblait rassembler eh bien finalement qu'on bonne qui pas sembler qu'a perdu et le but du maître c'est pas perdre monde dans l'armée. Mettre là bagage ça dans objectif c'est sauver monde qui dans l'armée. Après bon équipe monde dans l'armée qui qui est plus vivant que l'autre, yes. qui est plus actif que l'autre. Yes. Au moment où l'autre qui finit de mourir, qui finit de tiède, yeah. mais c'est ça qui chaud qui pourrait mettre du feu parmi ça qui fret. So, c'est ça, moi, quoi. Moi, quoi que l'armée a, l'important. Et ça qui pourrait faire force l'armée, c'est lorsque nous, chaque là, nous reconnaissons capacité de l'autre. Et bien, je vais faire une mission ça pour quoi? Pour faire la décafé pour quoi? Non. Yes. Puisque le reconnaître valeur, moi, reconnaître valeur, nous disons ensemble pour nous faire. Et c'est ça qui l'armée a. L'armée a, il parlait de fondement, nous parlait de fondement. L'armée a nous parlé de guerre, l'armée a nous parlé de mentalité, l'armée a nous parlé de yon mentalité, d'unité et qui pral faire valeur l'armée a. Et c'est ça que nous besoin qu'on ait. Et n'apprêtez là parce que nous charger bagaille pour nous dire mais nous yes. pas trop long, n'a venu avec deuxième série en pour. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bon Dieu bénisse. Amen.